Ça danse la tectonique à un moment d'ailleurs dans Open Bed. Ouais. Où je me... Ah oui, Titoff est très bon pour la tectonique. Titoff est très bon en tecto. Hein. Donc Open Bed, la pièce pour laquelle ces deux jeunes gens sont ici sur ce plateau, c'est au Bouffe Parisien à Paris. Mais après, j'imagine qu'il y aura une tournée dans toute la France vu le succès. Il faut aller voir les autres, hein, et pas que Paris déjà. Allez-y. Clair. Allez, le morning aime le théâtre, mais aussi l'information la plus rigoureuse, c'est le Morning News Jingle américain. À la une ce matin, un jeu très chiant qui propose de démêler des câbles tout noués, mais aussi avant, donc l'objet qui va changer votre quotidien. Combien de fois, Elisa, t'es-tu retrouvée dans un repas de famille à aller picoler en cachette aux toilettes? Tu vois, je pas pouvoir t'afficher. Je prends même pas un verre de vin, moi. C'est vrai, tu me connais. Elle boit pas. Elle boit pas. Par contre, qu'est-ce qu'elle se drogue? En revanche, Titoff, qu'est-ce qu'il picole? Et Titoff, peut-être. Ben, Louise Eklund, en tout cas, va pouvoir vous permettre de picoler en cachette. Est-ce que tu sais, Elisa, comment on peut passer du bon... Eh, je parle, hein. Mais oui, mais est-ce que tu sais comment on peut passer du bonnet A au bonnet D en 30 secondes, sans chirurgie et sans coton? Coton? Ouais. Ouais. Écoute, Jean, je sais pas. Non. Alors, il faut acheter le boost bra. En plus, elle s'en fout un peu. Quoi, ouais, elle s'en fout. Ah ouais. Mais c'est pas grave, mais je suis déjà au D, c'est pour ça. Enchaîne. Oui. Alors, il faut acheter le boost bra. Alors, qu'est-ce que le boost bra? Ben, je le porte sur moi. Voici, c'est un soutien-gorge, ouais, qui te permet de boire en cachette. Montre-nous. Donc, je vais sortir. Pour avoir un peu de musique, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. C'est le matin. Musique. Ouais, arrache, parce que là, on a... Voilà. Ah, il n'est pas très sexy. Non. Alors, c'est pas sexy du tout. Et en fait, est-ce qu'on peut voir un petit peu à l'intérieur? À l'intérieur, j'ai des pochettes. Bouge pas. Il faut... Des pochettes. Non, mais reste là. Voilà, on peut... Moi, je vais dégrafer, parce que moi, j'ai l'habitude, ça va plus vite. Tu sais très bien. Dégrafer, pas trop. Mais si, on fait pas. Oui, on va doucement. Alors, dedans, tu mets quoi? Voilà. Dedans, tu mets les. Oh, c'était bon, ça, non? Ça, c'était bon. T'as vu, Elisa? T'es un peu bigou, toi, quand même. Hein. Donc, j'ai un soutien-gorge. À l'intérieur, j'ai des pochettes avec de l'eau. Et ici, j'ai un petit tuyau qui passe sur le côté. Je vais le tourner. Ouais, elle est anglaise. Tuyau. C'est ça, il est content d'être venu ce matin. Tu aspires et tu bois. En fait, ça sert à quoi? À picoler dans les endroits où t'as pas le droit de picoler? T'es comme ça, ce crédit? C'est très drôle, en fait. Tu vas dans un stade ou dans un cinéma, tu veux un petit verre de l'eau gazeuse, de l'eau plate, de l'alcool, bien sûr. Non, pas du tout. Tu peux mettre de l'orangeade. Tu veux aspirer la poitrine. Un petit peu dénudé, et tu peux le mettre dans ton soutien. Attends, il aspire la poitrine de Louise. C'est quoi? On peut pas boire directement au goulot? C'est dégueulasse. Attends, moi, et touche pas d'ailleurs. Voilà, je bois toujours. Louise, est-ce que ça existe pour les hommes? Parce que moi, quand je vois que t'es jaloux, que tu veux la même chose. Oui, ici, je suis un peu dénudée, donc j'ai besoin de toi. Vas-y. Viens ici. Alors, Titoff, un petit truc. Viens, Titoff. Alors, on va le mettre sur lui. Pour les hommes, on le met où pour les hommes? Ah, ben regarde. Non, on le met pas là. Ah bon? On le met par-dessus de la tête ici. Hop. On va le fermer autour de lui. Voilà. Et ici, on va mettre de l'eau dans le ventre. C'est pas au niveau du pubis. Non, c'est pas au niveau du pubis. Donc, on va le mettre qui adore, ici à l'intérieur. Ça s'appelle le beer belly. Donc, c'est le ventre en bière. On va l'appeler ça. Ça doit être des Américains qui ont inventé. C'est des Anglais qui l'ont inventé. D'ailleurs, ça cartonne dans mon pays. Ah ouais. Et donc, on va l'ouvrir. Le mec, il a très soif parce que là, il a très soif. Et ça appuie sur la vessie. Bon, en tout cas, j'arrive pas à l'ouvrir pour le moment. Bon, ça s'ouvre. Si, aspire, ça sort par les petits trous. Ah ouais. Ah non, il y a un capuchon. Il a un capuchon. Tu vois. Je vais boire dans le ventre de Titoff. Moi, j'ai bu, moi. Tiens. Tiens, garde-le! Garde-le sur toi si t'as une petite soif. C'est génial. Donc ça cartonne. 2 millions de visiteurs en 3 jours. Ouais. Si, sur le site, je parle. Sur le site. Et on ne peut pas le trouver en France encore. C'est d'une tristesse. Mais ça va venir. Vous pouvez le commander sur l'internet si vous voulez. Ou pas. C'est très classe, c'est très chic. J'adore. Quelle classe? Ouais, c'est quand même très classe. C'est super classe. Ça fait envie. On enchaîne avec